Comment cultiver des canneberges chez vous et comment les utiliser Bien que nous puissions utiliser les graines pour les semer, nous ne pouvons pas oublier qu'il leur faudra plus de 4 ans pour donner des fruits. Toutefois, il est également possible de commencer avec une bouture. Les canneberges sont l'un des fruits les plus bénéfiques pour la santé. Grâce à leurs propriétés antioxydantes et à leur grande teneur en vitamines et minéraux. Elle nous aide à prévenir plusieurs problèmes de santé comme le cancer et évite le vieillissement prématuré. Il a été prouvé que la consommation fréquente de canneberges est idéale pour les personnes souffrant d'hypertension, de diabète et de cholestérol. Elles sont également excellentes pour traiter les infections urinaires. Le plus grand problème de ce fruit est sa disponibilité et son prix, car les canneberges ont tendance à être chères. Toutefois, vous pouvez éviter ce problème en les cultivant chez vous. Si vous souhaitez savoir comment le faire, nous vous l'expliquons ci-dessous si pas à pas. Suivez-nous. Culture de canneberge Je sais vous bien que la culture de canneberge est vraiment facile. L'un des principaux problèmes c'est qu'il s'agit d'un processus plutôt lent. Les plantes mettent entre 3 et 4 ans à produire des fruits, toutefois c'est ce qui se passe lorsque l'on commence le processus de plantation depuis zéro. Si vous choisissez de cultiver un arbuste plus âgé, le processus sera un peu plus rapide. Réfléchissez à la manière dont vous allez le cultiver ainsi que l'endroit cultivé des canneberges. Quelle que soit l'option que vous choisissez, vous devez prendre en compte l'espace dont vous disposez. La canneberge et son arbuste demandent beaucoup d'espace pour grandir. Si vous avez un jardin, vous pouvez opter par une jardinière surélevée, qui est excellente pour que l'eau passe en dessous. Mais si vous n'avez qu'un petit endroit, vous pouvez le faire sans problème dans une jardinière et cela dépendra également de la manière dont vous débuterez le processus. Si vous avez décidé de commencer le processus avec les graines, vous devez d'abord les faire germer dans un germoir ou à défaut, dans un récipient en plastique, afin de pouvoir les transplanter une fois germés. Si vous choisissez un jeune arbuste, tout change légèrement, car vous aurez besoin d'une plus grande jardinière, d'environ 20 litres. Une fois que l'arbuste aura grandi, vous devrez le transplanter dans une jardinière de 70 ou 80 litres afin qu'il dispose de l'espace nécessaire. 2. Préparez le sol de l'endroit où vous allez commencer la plantation cultivée des canneberges. L'arbuste de la canneberge est connu pour grandir et pousser dans des sols plutôt acides, avec un pH de 4,5 à 5. L'important est de créer un sol optimal pour leur croissance. Vous pouvez y arriver avec des ingrédients tels que, farine de graines de coton engrais préparé à base d'écorce. Épines de pain feuilles de chêne tourbe 3. Choisissez celle que vous allez cultiver canneberge en sachant que l'arbuste de la canneberge met autant de temps à pousser, il est important de choisir le type de plante que vous allez cultiver et si vous souhaitez planter plusieurs arbustes en même temps. Si vous optez pour cette idée, la manière la plus efficace de la réaliser c'est de le faire dans des récipients séparés. 4. Entretien canneberge La canneberge est un fruit qui a besoin de beaucoup de soleil pour se nourrir. L'eau est nécessaire mais sa croissance n'est pas optimale dans un environnement trop humide. Le mieux étant de les arroser régulièrement et que la jardinière ou les arbustes sont plantés à un bon drainage. Recette à base de canneberge Une fois que votre arbuste vous donne des fruits, vous pouvez opter pour une infinité de recettes, de jus et de plats pour les utiliser. Une option très simple, mais également délicieuse, c'est de préparer une recette de muffins au canneberge et au citron, excellent au petit déjeuner ou pour le goûter. Ingrédients 2 1/2 tasses de farine (300 g), 1 tasse de sucre blanc (200 g), 1 1/2 cuillères à café de levure (7 g), 1 cuillère à café de sel (5 g), 1 4 tasses de yaourt nature (60 g), 2 œufs, 1 tasse de lait (de préférence écrémé) (250 ml). 1 4 tasses de beurre fondu, 50 g, 1 cuillère à café d'essence de vanille, 5 ml, 1 tasse de canneberge, 180 g, 1 cuillère à soupe de zeste de citron, 10 g, Préparation Préchauffez votre four à 180°C, 375°F, mettez votre plat à muffins sur la grille du four et graissez-le. Dans un grand saladier, mélangez la farine, préalablement tamisée, le sucre, la levure. Le sel est mélangé bien. Dans un autre récipient, mélangez les liquides, le yaourt, les œufs, le lait, le beurre fondu et l'essence de vanille. Ajoutez le mélange des liquides au mélange des ingrédients secs et mélangez bien pour qu'il n'y ait plus de grumeaux. Puis, ajoutez les canneberges et les zestes de citron. Remplissez les moules aux 3/4 de leur capacité afin qu'ils ne débordent pas. Mettez-les au four pendant 15 à 20 minutes ou jusqu'à ce que vous introduisiez un couteau et qu'il en ressorte complètement propre. Laissez-les refroidir à température ambiante et dégustez.